Salut à tous, sur YouTube on va jouer Cursed. Sommes-nous Cursed? Notamment avec la fibre. Le son est bon, il y a tout ce qu'il faut, oui, parfait. Alors le Cursed, oui, c'est un problème. Toutes les portes sont des portes de Cursed from... On a déjà un Curse of the Lost? Ouais, merci. Voilà. Par contre, j'ai la Blue Map et la Treasure Map, ainsi que la boussole. Donc ça, ça aide pas mal pour les Secret Rooms, et, etc. Il est pas mal ce layout là, regarde-moi ça. Il est très très bien. On a aussi le Rolliver, ce qui nous permet d'avoir 2 HP up en plus de d'habitude. On va faire la Curse Room. Hein. Parce que le problème de ce challenge, voilà, c'est que comme toutes les portes sont des portes de Curse, eh ben, on va subir des dégâts à chaque entrée. Mais on a Liam Heart et on est Maggie. Oui. Bah, de toute façon, hein, c'est pas compliqué. Hein, de ce challenge, malheureusement, revenir en arrière, c'est pas trop conseillé. Donc voilà, hein, on va faire ce qu'on peut. Je prendrai le cœur bleu. Hein, on va jouer vie. Parce que de toute façon, on peut rien faire. Il n'y a pas vraiment de ressources. Il n'y a pas de clé. Il n'y a pas de bombe. Donc, Secret Room, c'est mort. Bon, bah. Une clé déjà, c'est bien. Au revoir le cœur bleu. Alors avoir des Devil Deal dans ce change, c'est un peu dur. C'est un peu dur. Oui, c'est vrai que lui, il fait pop ses mouches. C'est Fatih Mouche qui tire des larmes. Mais bon, Guiche m'aide bien en ralentissant tout ça. Cœur éternel, c'est une très bonne nouvelle. Et Squeezie, c'est une encore meilleure nouvelle. Mais commence bien, dis donc, ce challenge. Je suis bluffé. Finalement, on n'est peut-être pas si curse que ça. Finalement, on est peut-être un peu blessed. Ouais, bah, on va aller à l'item room au-dessus, hein, quitte à ce que ça nous coûte un cœur, hein, de toute façon. Et voilà. Je sais pas. Ah, bah, non, ça va pas nous coûter le Devil Deal de passer les portes. C'est plutôt cool. C'est Virgo, ça. Virgo nous permet de prendre les pilules. J'ai qu'une bombe, sinon ça m'aurait permis de passer par la Secret Room. Mais bon, je pense qu'on va être obligé d'aller en bas. On va faire magasin, tout ça. Ah, j'avais pas vu, mais j'ai le trinket qui augmente le nombre de pop de cœur rouge. Ce qui est une bonne chose. Oh, la trappe, ça fait plaisir, ça. Allez, un objet. C'est les Nantes si bombes, dis donc. C'est pas que j'aime pas cet objet, mais... Bon, je m'attendais à mieux, quoi. C'est quand même 5 bombes, ça fait plaisir. On va pouvoir faire la super secrète. C'est quoi cette carte, là? Du coup, on fait ça? Non, dommage. Eh bah, tant pis. Tant pis pour un... Ah, une butt bombe dorée. Oh. Oh. Très agréable. Très agréable parce que du coup... Potentiellement un objet. Avec ses coffres de pierre. Les seuls coffres qu'on peut déplacer d'ailleurs. Hein. Ok, de la range. Ouais, ça passe. C'est pas mal. On doit aller au pied de maman. Donc ça va, c'est pas un challenge trop difficile.
Super. Merveilleux le cœur. J'ai l'impression d'avoir les bombes dorées, ça fait deux bombes dorées qu'on voit. Ça c'est non. Putain. C'est moi qui l'ai fait exploser avant. Allez-y les mouches. Alors Devil Deal, hein, c'est la tentation, mais on peut toujours aller regarder le Devil Deal. Hein. Ça va réduire nos chances de God Room au prochain étage, c'est sûr, mais... Mais bon. C'est vrai que... vu qu'on doit aller à Mom's Foot et qu'on a beaucoup de cœurs rouges, on aurait envie de jouer Devil Deal. Ça c'est bien, bien, bien. Une bombe, une clé. Allez, on regarde. Ah, d'avoir le vol, c'est pas mal. Du coup, comment ça se comporte avec, avec les portes? Je subis quand même des dégâts, on est d'accord. Ça me permet pas de... On va tester, hein. Ah ouais, non mais on va tester. Si ça me permet de cheese le challenge, c'est trop bien. Mais bon. Je pense que ça ne marche que sur la Curse Room. Bah on va pas aller en bas. Hein. On va aller en haut, on va faire magasin et boss direct. Hein. Eh oui, mais non mais oui. Ça aurait été trop beau. Et bah le vol c'est pas broken. Salut à toi, Rodgar. Visiblement non. Non, non, je suis bien dégâts à chaque fois que je passe une porte quand même. Ça a dû changer ça aussi. En tout cas, j'espère que tu vas bien. Des cartes, ça c'est bien. Tempérance, ah pas trop tempérance, hein. Je suis pas forcément fan de tempérance. Pas trop envie de me séparer de mes cœurs. Bon lui il va filer des cœurs. Par contre tu peux arrêter, voilà, de me menacer, ce serait bien. Ah, ok. Agalas, why not? Ah, c'est dommage, j'aurais kiffé que le vol permet de cheese le challenge. 7 balles, on pourrait avoir plus de cartes encore. J'hésite vraiment là. Soit je prends l'objet à 7, soit je prends un cœur bleu. C'était quoi ma carte? Ah oui, tempérance, oui. Ouais, jouer carte, non, peut-être pas, non. Vas-y, on va. Hey, straightforward, on finit le challenge, hein, c'est bon. Faut que ça soit une formalité. Hein. On n'a pas toute la soirée. On n'en est pas à un dilemme non plus. Ok, so much keys. Bon, elle est sympa cette secret room, mais... si jamais j'ai perdu trop de... Oh, ils sont en or! Oh! Ah, c'est la première fois que je les vois, eux! Incroyable. C'est vrai qu'ils ont refait les skins des boss, là. Donc ils filent de l'argent, eux? Ou ils ont juste beaucoup trop de HP? Ah non, ils filent de la thune. Alors, super, on a le vol, hein, mais on n'a pas les tirs spectraux. C'est pas Spirit of the Night. Allez, oh! Ça c'est bien, ça. Ça, c'est très bien aussi. Bah allez, hein, let's go. On avance. Oh là là, tout est... Oh là là. Ça va coûter rush, là. Hein.
En tout cas, voilà, il n'y a plus de cœur bleu, cœur noir. Maintenant, faut y aller au cœur rouge. La salle où tu peux te prendre des tirs perdus très facilement. Oh, c'est bien ça. Ah oui, mais du coup, c'est le strict inverse de ce trinket-là. Mom's Pearl, elle augmente les chances de cœur bleu. Mais je pense que les cœurs rouges, c'est mieux. Hein. Ok, d'accord. C'est pas l'objet que j'attendais. Je dois reconnaître. Doucement, doucement. Oublie pas ton activable pour te heal. Oui, tout à fait. Bah oui, parce qu'en plus, il se recharge dans les salles. Faut vraiment l'utiliser. J'ai essayé de me dire, vas-y, économise-le, mais non, surtout pas. Faut l'utiliser. Ah, je pourrais essayer de gratter des cœurs noirs, mais c'est assez rare dans les crânes quand même. Hein. Ah non, c'est trop rare. Beaucoup trop rare. Oh mais quoi? Oh non. Ah oui, j'ai Virgo. Je suis con, j'aurais dû faire la secret room. Allez, vas-y. Prends un petit risque. Oh, c'est des pins, ça. Oh non, c'est des pins squelettiques. Horreur. Enfin, c'en est un. Très, très bien, ça. Ah, mais je peux jouer, ça. Oh, oh le plaisir. Tears up aussi. Excellent. Bah non, pas Hive Mind, on s'en fout. Ah putain, le shop, il... Le shop est nul. Je regrette. Oh là là, une énorme fatigue bat. Il est incroyable l'emplacement de la super secrète là. Moi j'aurais tellement vu dans cette salle là. Si c'est pas le shot, t'aurais pas eu le HP up de la secrète. Ah ça c'est clair. Le hairpin qui est. Bah qui est bien. Vas-y. Comme ça, on recharge l'objet activable pendant le boss. Ah, j'aime pas quand il fait ça. Je déteste cette attaque. Oh, en plus, je l'ai ralenti. Super. Tout ça, c'est très très bien. Et dès que tu te fais toucher, tu regagnes des cœurs. Alors pas tout le temps, mais ça arrive. Du coup, le hairpin, on va plutôt reprendre ça. C'était pour cette salle-là que je l'avais pris. C'est vrai que le HP up de la secrète, il a fait très très plaisir. Mais arrêtez de me foutre les salles complètement à l'autre bout. Au secours. Il y avait vraiment qu'au premier étage que c'était bien. Hein.
Quelle salle infernale? En plus, c'était l'ennemi d'élite, mais on a le wafer, donc c'est déjà ça. Putain, je les déteste. J'ai pas la lame spectrale. Génial, c'est la clé qui... Ah ouais. On kiffe les objets proposés, hein. C'est puis j'ai encore... Alors c'est vrai que tempérance pourrait me servir. Si j'explose la machine de donation de sang, ça peut faire pop des cœurs. Oh, quelle sale merdique. Ah, je déteste cette salle. Je vais utiliser une bombe, mais il m'en reste qu'une. Oh, on s'emmerde. Ouais, bah oui. Forcément. Ouf. Enfin. Ah ouais, bah on va faire là, hein. J'aimerais, j'ai deux bombes. Ah, ça permet de cheese une bonne partie de l'étage avec la secret room là. Ça c'est cool. Bombes archies. C'est pas très... C'est une bonne chose, on va dire, dans ma situation. Ça me fait plus de bombes. J'ai besoin de plus de bombes, en fait. Ça, c'est très bien aussi. Mais j'aurais pas dû le prendre maintenant. Bah oui, mais si. En fait, si. Deux Agalaz. Allez, des cœurs noirs là? Même pas? Bon bah une carte. Bah j'économise une clé. Ou alors j'utilise au prochain étage, parce que là le magasin il est juste à côté. La Red Candle. Alors ça c'est intéressant, mais est-ce que du coup ça remplace les portes cursed par des portes à serrure? Putain, mais ça me donne envie d'essayer. Ah là là. De toute façon, je vais pas acheter la Red Candle. Hein. Allez, let's go. On tente des choses. Bah oui, moi... M'en fous, j'aurais essayé. Ça a filé 5 pièces, donc l'objet est moins cher que... Que prévu. C'est marrant, ça. Que l'objet... Je savais pas que l'objet filait 5 pièces. Au moins, on est fixé. Vraiment une très bonne... Putain, je sais... j'arrive pas à me placer en fait en fonction des tirs. Je sais pas quelle est ma hitbox. C'est impressionnant. Ah tiens, une machine ici. Une machine comme ça ici. Bah let's go hein. Bah ça c'est bien mais faudrait le remplir. Vas-y, on sait jamais, le boss peut peut-être filer un truc. Ah mais oui, mais c'est bon. Mon Yum Heart a permis de le... Arrête, 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 arrête de faire cette attaque. Voilà. J'aimerais garder mon Bone Heart le plus longtemps possible. Putain. Arrêter d'invoquer des larves. Voilà, merci. Oh, les bâtards.
Marbles. Des trinkets. Ah. Bah la Vibrant Bulb, non. Hein. Parce qu'on va être... On va tout le temps quasiment utiliser Natrium Heart. Le magnet non plus. Non, il n'y a pas de trinket qui vaut le coup de remplacer le cœur. Comment il s'appelle mon cœur d'ailleurs? Le Child's Heart. Ok, d'accord. Bah vas-y, hein. Avançons. C'est le dernier étage. C'est bon, c'est gagné là. Ah, oh, il y a une bibliothèque. Oh, oh l'étage immonde pour ce challenge. Bah let's go, hein. Ah non, j'ai envie d'aller au... J'ai envie d'aller à la bibliothèque. Ah oui, mais du coup, on paye avec de l'argent. J'avais oublié. Les clés servent plus à rien. Bah, la Bible, là, elle est bien. Enfin, le Book of Revelation. Ça, c'est dommage qu'on puisse pas porter... d'autres objets. Ah, j'ai besoin de vie, hein. Surtout sur un étage pareil. Oh là là, il n'y a pas moyen de cheese les... L'étage avec des secret rooms. Quel gâchis. Mais pas ta carte. Magician? Comment ça, ma carte? The Hermit, ben oui, The Hermit. Donc dès la Secret Room, ouais voilà c'est ça. Ouais. C'est vrai que je l'avais complètement oublié. Ouais, on va l'utiliser juste après la Secret Room. Il y a aussi un Vault quoi, c'est un truc de fou. C'est un étage, il y a Full Room. Yera. Ah. Ok. Attends, je peux Yera Berkano. Et re-Yera ça. Donc j'ai 4 Berkano et 4 ermites. Intéressant. C'est les insectes qu'on fait tout le taf. Hein. Oh. Oh, l'île Dumpy, quoi. Il me suit maintenant, lui? Ils l'ont changé? Avant, il faisait sa vie. Ouais, encore le vol. C'est vrai qu'on volait pas assez. Mon dieu. Ah mais c'est vrai, je suis con. J'aurais pu passer par là. Ah oui, mais je voulais quand même l'item room. Je voulais quand même l'item room. No regret. Par contre, ça, c'est un gros regret. Mais l'île Dumpy, du coup, il pète encore sur les ennemis. Ça fait longtemps que je l'ai pas eu, lui. Vas-y, pète. Pète sur lui, là. Pète sur lui. Mais quand tu veux pour péter... Ah non, il veut pas. Il en a rien à foutre. Qu'est-ce que c'est que ce familier qui sert à rien? Il ne sert à rien. Tout comme ce Steam Sale. Putain, le rush de ces ennemis. Ils font l'arme dans quel sens quand ils sont 3, eux? Ah oui, en 8. Oh là, quel enfer! Ah, j'avais le temps. Je voulais la réorienter vers le haut. J'étais vraiment mal placé, hein. C'est toujours sympa, hein, ce... I'm drowsy. Oh, c'est bien, ça, I'm drowsy. Encore un ermite. Si jamais j'ai envie de revenir dans le magasin. Magasin qui a été, rappelons-le... squatté. Honteusement. Mais sinon, il fait quoi, l'autre? Mais il est coincé ici, en plus, cet imbécile. Qu'est-ce que tu faisais?
sert vraiment à rien. L'île useless, ouais. Je me suis mis au... Ah, c'est bon, il a pété. Et une fois qu'il a pété, il s'endort. Il faut qu'il se repose. Ça, mais c'est vraiment nul. Qu'est-ce que c'est que ce familier, quoi. Mon Dieu. Bon, bah, tant pis pour mon cœur d'os qui devrait subir, je pense, pendant le combat. Mais bon. Oh, c'est Moms Rouge, en plus. Oh, il a pas tiré l'œil. Bon, le combat va durer 107 ans. Parce que j'ai 0 DPS. Ah, il a Oh, il m'a protégé! Lil Dumpy m'a protégé des tirs de l'œil! Incroyable! Il est pas si inutile finalement. Par contre, il se repose beaucoup là. Ah oui, bah oui, bah voilà. J'aurais eu besoin de toi, mec. C'est bon, on l'a enfin ralenti. Merde. Ah mais il protège beaucoup mieux qu'avant. Hein. Avant il faisait juste péter sur les ennemis. Là il pète sur les larmes ennemis. C'est beaucoup mieux en fait. Par contre après il se repose quoi. Ça c'est le sidekick du truc. Mais ce combat de mom qui dure 109 ans. J'ai rajouté 2 années hein, pour le lol. Oh, la musique, on n'a jamais été aussi loin, magnifique. Ah, il y avait quoi au Devil Deal? Ah, oh, il y avait le Lusty Blood qu'on vient de débloquer. Incroyable. Bah, ça aurait été mieux en début de run, hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Parce qu'on avait eu quoi au premier Devil Deal quand on est rentré dedans? Ah bah, on a pris Lord of the Pit, évidemment. Ouais, on n'a pas eu d'autres Devil Deal pendant la run. C'est dommage, mais on a la credit card. Et quand elle popera, ça fera plaisir. Puisqu'on aura un magasin gratos. Merci pour les GG et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. La bise.